Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Et c'est de nouveau Crime après avoir vu toutes les magnifiques nouveautés du CES pour les femmes. Il est temps d'aller voir si côté homme, c'est mieux que d'habitude ou si, comme d'hab, on va avoir trois pantalons qui se courent après, rien d'extra. Donc j'espère que le côté homme est aussi ouf que celui des femmes. On va aller voir ça tout de suite. Avec Samuel, voilà, que vous ne connaissez pas. Bonjour Samuel. Et on va commencer par la coiffure. Donc on a toujours, effectivement, le poulpe sur la gueule, voilà, qui va bien ou pas, hein, d'ailleurs. Bon, c'est pas mal. Alors ça, c'est la coupe, quarterback premier de la classe, tu vois. Ouais, je suis beau gosse, et alors? Oh, c'est sympa, ça c'est plus le sportif. Petite queue de cheval, stylisée qui va bien. Ça, j'adore. J'aime tellement. Ça fait penser d'ailleurs à une autre coupe qu'on a déjà. Ça ressemble un peu, avec un petit peu plus de volume. Et ça vient donc dans plein de couleurs. En plus, j'ai l'impression que c'est un peu méché. Et donc, le côté... Alors, c'est pareil. Hein, ça, cette coupe, clairement, je la préfère en une seule couleur. Hein. Pour les hommes ou pour les femmes. Je suis moins emballée des coiffures des hommes. Alors, après, c'est toujours un peu pareil. Dans les packs, je suis toujours un peu déçue par le côté masculin du CAS. Mais bon, c'est vrai que les femmes, c'est plus facile. Il y a plus de coupes différentes. Chez les hommes, on tourne un peu en rond, c'est normal. Bon, bah écoute, on va lui laisser la coupe de beau gosse et on va aller voir la suite. Donc les chapeaux, c'est les mêmes que pour les femmes, je vous les remonte pas. Les accessoires, c'est les mêmes que pour les femmes, c'est les piercings, donc de nouveau, je vous les remonte pas. Et nous passons directement aux vêtements. Alors, en haut. Donc, pour les vêtements, on a donc une petite veste. Alors, cette veste me rappelle quelque chose. Pour moi, on doit avoir quelque chose qui ressemble déjà à ça. Parce que... dans le même style, du moins. Mais c'est sympa, hein, mais je pense qu'on a déjà quelque chose dans ce style-là. Ça, c'est un peu, le petit sweat pour encourager voilà, l'équipe ou l'université. C'est sympa, un petit gilet comme ça. Ça aussi, j'aime bien. J'adore la capuche. Oh, en bleu, il est trop beau en bleu. Ma, comment ça fait sortir tes yeux, mon chéri? C'est trop beau. Alors ça, c'est l'habit un peu quand t'es bien sapé, mais que tu veux soutenir quand même ton université. Quand t'as rendez-vous avec le directeur ou ton prof principal. Après, il y a... ça, ouais, quoi pas, j'aime bien le motif du t-shirt, ceci dit. Alors ça, moi, c'est genre l'étudiant bûcheron, quoi. Même comme ça, je suis pas fan. Ouais, ça, c'est pareil. Je suis pas extrêmement emballée. Alors ça rentre dans la catégorie, je sais pas. Je suis mitigée, qu'est-ce que... Non, ok, non, je sais pas. Ah, alors ça, je sais que non, par exemple. Non, même... non. Non, non, ça fait partie des choses que je mettrai pas. Ça, ouais, ça peut le faire. Ça, ouais. Ça, j'ai pas regardé s'il y avait... Oh, j'ai oublié de regarder les tatouages. On va y retourner. Ah, alors, ouais. Si un soir, t'as une soirée retour vers le futur... ouais, mais sinon, non. Ouais, allez. Allez, ça, j'achète. Allez, c'est vendu. M'en mettrai 12. Alors, je sais pas. Non, si, ça va. Ça va. Surtout quand je vois ce qui arrive juste après, ça va. Ça va moins. Ouais, ou alors comme ça, si t'as besoin de quelqu'un pour livrer le café ou quoi, pourquoi pas. Alors ça, ouais, non, c'est comme la veste là. Non, ça, je vais pas mettre. Hein. C'est pas... Faut, à un moment donné, il y a beaucoup trop de couleurs différentes sur ce truc. Ça, j'aime bien. C'est sympa. Hein. C'est... Ils ont décidé qu'ils aient... En fait, ils ont joué à un jeu, les gourous. Ils ont dit, on va mettre le plus de couleurs possible dans le moins de vêtements possible. Parce que... ça aussi, c'est un peu pourquoi. On a envie de leur demander, quand même. Pourquoi tu rajoutes de la couleur partout? Pourquoi? Non, ça va encore. La forme est sympathique, c'est bien. Ouais, je suis un peu moins emballée hein, par les hommes, hein, comme d'hab. On va aller voir les bas. Ah, alors ça, c'est un peu le même que celui que j'ai, moi. Ça se trouve, d'ailleurs, c'est un truc de mec. Ouais, ça, c'est sympa. Oh, j'aime bien, ça fait voir à quoi ça ressemble en haut. Mais non, c'est pas du tout pour le voir torse nu. Oh, même s'il est pas désagréable. Ça, j'aime bien. Bizarrement, c'est sympa. Enfin, je veux dire bizarrement. De base, c'est pas forcément le genre de vêtement que j'aurais cru apprécier, mais en fait... si, c'est sympa. Ouais, bon, ça, moins fan. Bon, alors moi j'ai un problème, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi les pantalons... Alors je sais que c'est la mode, hein, je sais, c'est... Voilà.
Mais moi, clairement, les pantalons, t'as l'impression qu'il s'est chié dedans, c'est pas possible. Je peux pas. Je sais que c'est la mode, et Dieu merci, la mode, ça passe. Et ça revient. Mais vivement que ça passe, parce que, bon, bref. J'aime pas. Bah ça, c'est pareil, je l'aimais pas trop chez les femmes, je l'aime pas forcément chez les hommes. Bon, après, ça va se porter, hein, mais... Eh ben, ça, j'aime bien. Ça, c'est pas mal. Non, parce qu'on va croire que j'aime rien, mais non, ça, j'aime bien. Ça va bien. Ça, c'est pareil. Pour faire... Je vois bien ça pour faire le yoga le matin. Toi, sur le tapis de bien-être et tout. Nickel. Dans la même tenue. Voilà, ça mon gars, c'est ta tenue de yoga. Ah oui, alors, deuxième chose très à la mode que j'aime pas. Non, mais puisqu'on en est là, on va parler. Hein. Clairement, les joggings pour mecs en legging, c'est pareil, c'est pas possible. Hein. C'est... Non. Faut vraiment que la mode, elle passe vite. Hein. Parce que même quand t'es bien gaulé, ça le fait pas. Je... Voilà. Non, faut arrêter. Je peux pas. Le petit short, il est vraiment petit ton short, monsieur, quand même. Hein, c'est vraiment plus petit, on pouvait pas. Et ça, ouais, bah c'est pareil, ça c'est plutôt un pantalon tranquille, quoi. À la maison, pépère. Là, on retrouve, en fait, les tenues, je pense, de diplôme. Alors, autant j'aimais beaucoup sur les femmes, autant le tie haut chez les hommes, je suis pas sûre que ça soit très saillant. Pourquoi? Genre, on a que ça, par contre? Mais c'est pas possible. Oh, l'arnaque. Ils sont vraiment pas gâtés, hein. C'est pas foufou, quand même, hein. C'est pas foufou, les gars. Bon, alors, on va aller voir après les accessoires. Bah, c'est les mêmes que chez les femmes, avec un cycliste, un chouïa plus long. Et les chaussures, alors qu'est-ce qu'on a les chaussures? Eh ben c'est les mêmes que pour les filles, hein, recyclons. Ah ben ça va pas avec le pantalon par contre. Ouais, bon. J'ai pas été voir les tatouages. Donc on a un nouveau tatouage ici, une petite fleur. Un petit je sais pas quoi. C'est quoi? Alors si quelqu'un arrive à voir ce que c'est, je suis curieuse. Ah c'est un vélo? C'est un vélo? Je sais pas. J'arrive pas à m'en rendre compte. Non, je vois pas. Attends, on va se... Ah bah attendez, alors on a un chien, on a un petit chat, ok. On a genre, je suis passionnée de maths, un signe de société secrète. Donc là aussi, ça fait un peu Secret Society. Une petite fleur, une autre petite fleur. Ah, il y a des petits dessins sur les chevilles aussi. Petit soleil qui se lève. Encore petite fleur, on est très floral, hein. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un avion en papier. D'accord, c'est original. Ah, to be en note to be, hein. Ah, bah encore une fleur, ça manquait un peu. Alors, c'est quand même des tatouages très... Comment je pourrais dire? Ouais, genre vite fait, quoi. C'est-à-dire, ouais, t'as envie de te faire tatouer, mais t'as pas envie de non plus de t'emballer sur un truc de ouf. Donc, tu fais genre une petite fleur au creux du poignet, ça passe, quoi. C'est pas foufou. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour du CAS. Si je devais un petit peu donner mes impressions comme ça à chaud, c'est que clairement, je suis totalement fan, mais genre in love, sur tout ce qui est CAS femme. Et comme d'hab, petite déception au niveau des hommes. Je trouve que les habits, c'est pas foufou. Qu'il y en a pas des masses. Les coiffures, c'est pas non plus extraordinaire. Et puis surtout, grosse déception, il n'y a pas une fringue, pas une coupe de cheveux, que dalle pour les enfants et les bambins. Donc c'est quand même chiant, hein, parce qu'un pauvre petit t-shirt ou un truc comme ça, ça mangeait pas de pain et ça faisait un petit rappel sur d'autres tranches d'âge, quoi. Voilà, bah écoutez, ça en est fini pour cette vidéo sur le CAS. On va pouvoir passer à la vidéo suivante.